0,85, la unité son azo, qu'elle a bien. 0,85, je l'ai enlevé quand même. 0,85, 210, 11, 11. Bonjour à tous et merci d'être dans votre émission. Le débat tous les jours 11h30, 13h30 sur votre radio Top Congo FM. Nous sommes sur la FM, vous nous joignez sur nos différents supports, audio et vidéo, notamment Facebook et YouTube. Vous allez nous suivre aujourd'hui dans cette émission spéciale en direct. Le débat spécial avec Thierry Kamboundi, bonjour. Bonjour Christian Le Sacreno, bonjour à tous. Thierry Kamboundi qui garde le masque, il a raison, il faut être prudent. En direct de la conférence de presse du porte-parole du gouvernement, le ministre de la Communication et des Médias, Jolino Makelele Diwampovesa. Merci à vous tous d'être là. Aujourd'hui, pas de répondeur, puisque tout cela sera totalement consacré à cette conférence de presse. D'un gouvernement qui a, en même temps qu'il est en fonction, un informateur, c'est dire que c'est un gouvernement qui, selon le président de la République, ne devrait plus durer longtemps. Que va dire le ministre? On l'attend impatiemment. Thierry Kamboundi, Lelo, Ezali, Ebandeli, Amboula, Pona, Molobeli, Amboula, Matari, mais Ezali, Pé, Mboka, Mubimba, Ezozela, gouvernement, na minute Ezolobanine. Oui, gouvernement Olobanine par rapport à la situation politique. Gouvernement Golobani par rapport à venir naïe, parce que tu as une dynamique politique n'engue commis les lots, l'isolo union sacrée Zobetama. Quelle est la position du gouvernement Ilunkamba sur ce sujet? Toroye Bayango, Petoroyo Kamakamwe, Bele Bele Misusu, parce que le gouvernement Zaika va continuer à travailler. Président du bureau d'âge, il y a l'Assemblée nationale, le Bagi Lobby était motion de censure, et a déposé T dans le bureau. Hein, contre gouvernement Ilunkamba, Botika gouvernement est travaillé, Botika Premier ministre a travaillé. Alors, et Kokine Bon Otika, est-ce que monsieur Amwe Rosala et Rosalate, Tisuka session extraordinaire? Bref, Mituna est belé à Rotunama. Ba ministre Bele Bele Lelo yo ba rejoindre dynamique ya Union Sacrée de la Nation, sort na bango ezali nini. Bref, makambu penza ya koloba ezali ebele, matière politique ezali ebele, il n'y a pas que de la politique. Au plan sécuritaire, makambu leki mingi na suka ya mbula oyo eleki, massacre à l'est du pays, makambu ebele ebele, instabilité na Nord Kivu, na Sud Kivu, na Ituri, tozo lobela yango lisusu ti lelo. Situation économique ya mboka, Covid-19, face à la deuxième vague de Covid-19, si Mboka écoute les mandengues nini, les lois et les mesures et les pour nous faire face à la deuxième vague. Oyo, est-ce que le gouvernement a recours à refouler de nouvelles unités? Oh, bah, c'est là qui base à l'inscrit, na janvier awa. Bref, makambu mingi, mingi, mingi à Roloba, au plan, sur tous les plans, Toloba. Par rapport à la gestion, il y a l'État, gestion à Mboka par gouvernement. Nanzela et Molobeli à gouvernement ou à Rosa Nabiso dans quelques instants. Thierry Kamboundi, Totondi, Obotondi, Libosoto, Kende, Koyoka, Makambo, Molobeli, Amboka, Koloba, avant de prendre connaissance de ce que va nous annoncer le porte-parole du gouvernement, on va recevoir le président par intérim de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, M. Gabi Kouba, avec qui nous allons parler, parce que nous l'espérons, le ministre va en parler, de la situation des médias qui, notamment, ont, en République démocratique du Congo, quelques problèmes en ce qui concerne la couverture nationale. Depuis quelques semaines ou depuis quelques jours, vous constaterez que le satellite Transcom qui rediffuse les images des télévisions et radios nationales est muet. Alors, avec Gary Kouba. C'est aussi l'occasion de rappeler à nos auditeurs Mingyo Bazo Tunabiso Mituna na ba réseaux sociaux, Ndeni Tozo Lekate, notamment na Canal Sat. La raison est celle-là, ba chaîne Nabiso Nyonso, ya Congo. Les Arabisoté, même télévision nationale, nous sommes allés à Okata. Donc, pour la raison. Ouais. Quelle est la situation des médias en République démocratique du Congo? Ce sera donc avec Gabi Kouba Bekanga, j'ai dit Gary, c'est Gabi. Azana Bisso déjà, Awa, mais Liboso, To Bandanaye, To rappelé, instant coronavirus. Les chiffres du coronavirus en République démocratique du Congo. Le rapport vient de tomber, je viens de recevoir il y a quelques instants. Nous sommes à 19 707 cas
cumulé, confirmé, un cas probable. Au total, 625 décès avec 211 nouveaux cas aujourd'hui, 184 à Kinshasa, 20 au Congo central, 3 au Lualaba, 2 au Nord Kivu et 2 au Sud Kivu. Avec, c'est peut-être un chiffre qu'il faut relever, plus de 1000 échantillons testés aujourd'hui, 1016 au total. 6 nouveaux décès dans la journée, malheureusement 6 personnes supplémentaires. Sur plus de 1000 échantillons testés, 1016, 211 positifs. 211 positifs. 6 nouveaux cas dans les CTCO à Kinshasa, 7 personnes guéries, quasi autant, on le répète encore, quasi autant de personnes. Je vois un caméraman de la RTNC qui passe devant. Les coupures d'électricité. Donc, 7 nouvelles personnes guéries, 5 à Kinshasa et 2 au Nord Kivu. Les coupures d'électricité deviennent de plus en plus récurrentes dans les centres de traitement Covid-19. Dit donc le comité de riposte, comité multisectoriel de riposte à la pandémie Covid-19 en République démocratique du Congo. Alors, Thierry Kambundi, en Afrique. La situation sur le continent. Avec toujours en tête en termes de nombre de cas, l'Égypte, 149 792 cas pour 8197 décès. Voilà, il y a le Maroc, il y a la Tunisie, toujours des pays du nord de l'Afrique qui restent très touchés. Et concernant les pays voisins de la République démocratique du Congo, retrouve l'Angola avec 18 193 cas pour 416 décès. Et puis le Burundi avec 1019 cas, toujours 2 décès au Burundi. Le Congo-Brazzaville qui compte 7160 cas pour 100 décès. Hein, voilà pour ce qui est de quelques pays voisins de la République démocratique du Congo que je retrouve ici. Je rappelle que ce bulletin de l'OMS Afrique a été rendu public hier. Hier, juste après l'émission, le débat d'ailleurs, parce que pendant l'émission, on n'avait pas. Il y a le Rwanda avec 9630 cas pour 120 décès. Le Rwanda, au Rwanda, où on parle de plus en plus du vaccin, je l'avais dit, le gouvernement rwandais. Le Rwanda va commencer le vaccin. Justement, le gouvernement rwandais a mis sur la table 15 millions de dollars américains pour se procurer un vaccin. Et ça peut être un vaccin, les lois. Christian Moussakou, nous sommes tous les vaccins. Entre vaccins, il y a anglais, il y a chinois, il y a américain, il y a russe. Bitumba Zali un peu dans le marché. Natang américain, pardon. Bitumba Zali, les lois, dans le marché. Sur vaccin, nini y a Il y a un européen un peu. Permettant qui récemment, il y a donc, la guerre, c'est. Enfin, un peu comme Isaïe Bitumba a masque, un peu il y a la première vague, les lopes Bitumba a vaccin parce que Bamboka est belé, grande puissance est belé, va produire un vaccin au Bazo Teka, les loyaux dans le pays Afrique. En attendant, intervention à OMS pour être talo et vaccin équita parce que Bamboka est belé. Si le Rwanda s'est permis de mettre sur la table 15 millions de dollars américains, Bamboka n'y a pas encore au salaire en côté. Donc Bamboka mingi Bazo espéré que OMS a sunga pour être talo et vaccin Kita et Zala plus accessible. D'ailleurs, parlant du vaccin, le président Félix Tshisekedi et Denis Sassou Nguesso en ont parlé hier, au terme du séjour du président de la RDC au Congo Brazzaville. Bref, Nabanae Kolobake, l'isolo et un vaccin Zali Kobetama Nabamboka Ebele. Un peu plus tôt, on parlait du Maroc. Là, je parlais du Rwanda. Le Rwanda, dont je vous ai donné les statistiques tout à l'heure, 9630 cas pour 120 décès, suivi du Soudan du Sud, 3649 cas pour 63 décès. La Zambie, elle compte 27728 cas pour 469 décès. Je cherche les chiffres de l'Ouganda. L'Ouganda, voilà. Que je veux retrouver un peu plus tard. L'Ouganda, non, je ne vois pas. L'Ouganda, qui fait partie des pays voisins de la République démocratique du Congo, les plus touchés également. Totangaki Zambie, Totangaki Angola, Bisika Baka et Mati Mingi. Aujourd'hui, l'Angola compte
L'Ouganda, j'ai retrouvé. L'Angola compte plus de nombre de cas et de décès que la République démocratique du Congo. Alors qu'au début, ça avançait plutôt lentement. L'Ouganda compte 37 742 cas pour 301 décès. Voilà pour ce qui est des pays voisins de la République démocratique du Congo. Alors parlons maintenant au niveau international. 91 392 238 cas déclarés, confirmés dans le monde entier, avec 65 409 812 guéris et 1 955 160 morts. On a dit il y a quelque temps qu'on arrivait dangereusement sur les 2 millions de morts. Avec le premier mort, de Christian Mercier Kisanza, de l'avoir rappelé hier, le premier mort qui était officiellement enregistré le 11 janvier 2020. Les États-Unis avec 385 249 morts sont toujours le premier touché. Devant le Brésil, 203 617. L'Inde, 151 364. Et le Mexique, 134 368. Voilà donc pour ce qu'il a lieu de dire sur les cas de coronavirus. Alors Thierry Kambundi, c'est pas facile avec le masque. On accueille donc le président. Il a été élu premier vice-président de l'UNPC, mais depuis Mwanda et le congrès de l'UNPC, l'Union nationale de la presse du Congo, le président Kasonga Chilunde nous a quittés. Monsieur Gabi Kuba Bekanga, vous êtes faisant fonction président de l'Union nationale de la presse du Congo. Bonjour. Christian, bonjour Thierry. Bonjour. J'espère qu'au niveau du. J'espère qu'au niveau. Parce que le retour technique, le retour du son, j'espère que vous entendez bien le président de l'UNPC. Moko Molobelia, il y a Moulamatar, il y a Rolobalelo. Ba Media Bazo Zelanini, il y a ministre et Talima Pambolaban. C'est vrai qu'il y a plusieurs questions. Le ministre qu'on attend de lui, vous l'avez annoncé au début de cette émission. Il y a cette question de la désignation d'un informateur depuis un certain temps par le président Tshisekedi. Vous avez la récomposition du bureau de l'Assemblée nationale. Il y a le Sénat également qui traverse une zone de turbulence. Vous avez la situation économique qui n'est guère reluisante. Vous avez la pandémie du Covid que vous avez évoquée, donc il y a autant de questions, sans oublier l'épineuse question et la sempiternelle question de la guerre dans la partie est du pays. Donc ce sont toutes ces questions que le ministre pourra aujourd'hui aborder avec la presse pour fixer l'opinion sur les démarches ou les efforts que le gouvernement fournit, où en sommes-nous, qu'est-ce qui reste à faire, qu'est-ce qui a été fait jusque-là. Et la presse en particulier, est-ce qu'elle a des attentes particulières de la prise de parole en ce début d'année? Parce qu'il y a occasion à échange de vœux entre le ministre de la Communication et des Médias et les médias. Est-ce que la presse attend quelque chose de particulier de cette rencontre aujourd'hui? Oui, la presse attend un message particulier de la part du ministre, un message d'apaisement. D'abord, vous l'avez évoqué ici, moi-même je suis un auditeur et puis un téléspectateur. Déjà, on a un blackout de la plupart des nos chaînes de télévision qui ne sont plus sur satellite et puis beaucoup des médias ne peuvent plus couvrir l'ensemble de la République avec la situation des satellites que vous avez évoquée tout à l'heure. Mais vous avez également cette question en rapport avec les états généraux de la presse, tant souhaitée par beaucoup de professionnels des médias. Vous avez la situation des arrestations des journalistes en cascade. Et puis, sans oublier, bien entendu, les cas de disparition. L'année 2020 a été une année record sur l'ensemble du territoire national, avec plus ou moins une douzaine de journalistes qui nous ont quittés. Donc, c'est cette situation, nous attendons. Il n'y a pas seulement, parce que la mort, ce n'est pas le gouvernement qui est responsable de la mort des journalistes, parce qu'il y a des morts naturelles, mais au moins les conditions de travail aussi des médias. Donc, il est de la responsabilité de l'État de voir dans quelles conditions travaillent les journalistes. Cette question dont on a toujours attendu la réponse depuis des années, l'aide à la presse qui ne vient toujours pas. Donc, vous voyez, les conditions dans lesquelles travaillent les journalistes nécessitent une réponse de la part du gouvernement qui a tant promis, mais qui jusque-là n'a pas réalisé ses promesses. Gabi Kuba Bekanga, premier vice-président de l'Union nationale de la presse du Congo, Thierry Kambundi.
Vous avez été élu à Moanda récemment avec un programme très ambitieux visant à réorganiser un peu le secteur. Malheureusement, avant la fin de l'année dernière, le président Boukar Kassongati-Loundé est parti, paix à son âme. Où en êtes-vous aujourd'hui? Bokomi wapi na processus ya kobongisa image na mosala ya presse na Congo. Ah, c'est vrai, vous avez raison de poser cette question. Est-ce que les projets sont morts avec le président national Kassongati-Loundé? Je dis non. Et les hommes passent, les institutions restent. Kassongati-Loundé a joué une partition importante au niveau de la corporation parce qu'il a fait plus de 15 ans au bureau exécutif de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc son expérience, très sincèrement, nous ne l'avons pas. On aurait dû apprendre auprès de lui pendant quelques temps, mais juste un mois après l'élection, après les congrès de Moanda, il nous a quittés, il est mort. Mais ce n'est pas pour autant que les projets s'arrêtent. D'abord, nous avons commencé, je vous informe déjà que vous, si vous passez aujourd'hui dans nos installations ressemblent à un vaste chantier avec les moyens du bord. Donc pendant ce temps, il faudra rendre quand même notre siège plus ou moins viable. C'est l'un des projets sur lesquels nous travaillons avec les moyens du bord parce qu'on n'a pas reçu un don, une aide ou bien les subventions de la part de quiconque. Donc nous avons déjà commencé par là. Et il y a un deuxième chantier qui nous attend, c'est l'organisation du 50e anniversaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Donc depuis, l'Union a été créée en 1971, à l'époque du président Mobutu, et cette année, nous totalisons ces 50 ans d'existence. Donc il faudra que l'événement soit célébré avec faste, et c'était l'une des résolutions du congrès de Moanda. Un autre chantier sur lequel nous travaillons, c'est aussi les dossiers en rapport avec la mutation de l'Union. Vous avez certainement raison de dire qu'il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de faiblesses au niveau de la corporation. On assiste à une intrusion de la part de certains que je peux appeler des envahisseurs, qui écument aujourd'hui notre média. On ne sait pas qui est journaliste et qui ne l'est pas réellement. Alors pour cela, il faudra une mutation de l'Union qui est une aspect vers un ordre à l'instar de l'Ordre national des avocats, l'Ordre national des architectes, l'Ordre national des médecins, ainsi de suite. Donc pour plus de discipline, plus de rigueur, pour que nous ayons également des éléments à contrôler. Un autre point. Justement, vous en êtes Bokomi Wapi. Bokomi Wapi, Moussala Ona Eza Moussala Kaka Unionte. Parce que ça va demander l'implication de l'État. Et nous travaillons avec la magistrature sur ce point. On travaille également nos avocats de l'Union nationale de la presse du Congo, Bazo Salapé Moussala Ona, Ba Expert et Payali Banda, Eza Libanda Amboka, Eza Labinombo Kopé Bapantisango. Donc, Moutouna Moutou, Akouyana, contribution à pour la mutation, tout qu'on s'inspire, parce que nous n'allons pas inventer la roue. Les ordres existent au Congo, l'Ordre national des avocats. On peut s'inspirer de ce qu'ils ont fait. On s'inspire également de ce qu'ont fait les médecins pour que nous puissions connaître cette mutation. Voilà au moins quelques projets sur lesquels nous travaillons. Mais on travaille également sur cette affaire de dépénalisation des délits de presse. Depuis des années, on en parle. Thierry, Bazolo Bilango Mingi, dépénalisation des délits de presse. Bon, Bamoussou Bazali pour, Bamoussou Bazali contre. Pour dire, voilà, mais est-ce qu'on ne va pas ouvrir une brèche à l'indiscipline lorsqu'il faudra dépénaliser les délits de presse au regard des électrons libres qui envahissent aujourd'hui la corporation et qui envahissent la corporation et qui font autre chose à la place du journalisme? Nous, nous disons non. Il faudra que nous-mêmes, nous soyons rigoureux. Si des sanctions sont très sévères au niveau de la commission de discipline de l'Union nationale de la presse du Congo, je crois que ceux qui émettent des doutes n'auront plus beaucoup de craintes par rapport aux sanctions. La dépénalisation du délit de presse au Batobayo Karabini, ça va nini exactement? Oui, dépénalisation du délit de presse. Merci, mais au Colimbi Sangai Mouke, parce que le terme Moussousou et Gosa passe pour nous traduire en Lingala. Bon, mais dépénalisation, il y a des délits de presse. Oui, voilà, dépénalisation des délits de presse. Il y a qui s'y est. Net une minute, au Tosan de Konabiso, et puis sur Romero Langoy, au Azalikouna Boloko, député Pouela, à Fundakie, à Ouyaloubake. Mais bisous, au lieu et Kende na justice, journaliste à Kende Makala.
loi na mibeko ya mboka o esengi keno imputation dommageable diffamation tout ça batina ba journaliste makala ezala lisusuté mais kasi biso na niveau ya lingomba na biso soki mbeba ezali pa journaliste tokoki kobotola e carte professionnelle na ye libela donc a exercice ce métier de pour ceux qui balongo le métier na Christian Lusakwenu azali muto asel musala depuis 30 ans donc à kokoza na tambusu na mbula tokomi tano 50 ans na juste exemple voilà soki to longolie a comme architecte comme médecin, comme ingénieur, donc il y a aussi et bon, on est journaliste, on a aussi se reconnaître était na UNPC. Oui, ce qui a ça qu'on se reconnaître la UNPC, na UNPC, parce que na minute où tu zali asbel adhésion ils allaient volontaire, mais ce qui te commis na ordre. Ah, wana, ils ont le coup d'avocat, ils ont le coup d'médecin. Ce qui balongolio, bar radio, na ordination, il y a pas médecin. Sur l'ensemble du territoire national, tout comme à l'étranger, au coquille, sous le salamanate. Donc, des pénalisations du délit de presse, journaliste à Salimabe, journaliste à diffamé, journaliste à Lobby Mabe, plutôt qu'à Kende Boloko. Et c'est Ngeliaz à la. Oui, Thierry. Ah oui, ce n'est pas. On n'ouvre pas une porte à l'impunité. Ce n'est pas non plus. Ce n'est pas non plus l'avènement de la démence au niveau de la corporation. Nous voulons tout simplement qu'il est énorme. Et je vous ai donné l'exemple. Ça fait 20 ans, nous sommes là, Oyo, les journalistes. Ce qui est le balongolio, l'ordre, l'abusotolobique, Thierry, à Gossal, sous Moussala, on a été. Nous avons une classe, pourquoi ma menuisier, pourquoi ma ingénieur mécanicien. Et tout, mais ce qui est au côté, ma condition. Boloko 6 mois une année au bimi na ozongelika musala na yo okozali suka na pimi wana obanda osala musala ngo donc yango to lobby que non sanctions contrairement à ce que les gens pensent les sanctions au niveau de l'union sont très efficaces que c'est que l'état peut infliger aux journalistes qui se compromettent dans l'exercice de leur métier. Alors, Sikawa, la journaliste est Boni Bazali ba membre de UNPC. Osan la estimation, osan oui. La chiffre. Domina pourquoi Tomanaï Kosala Moussala on a secrétaire général jusque là Oyo Bazali en ordre parce que Bissot Ozali une asbel nous n'avons pas un pouvoir de contrainte donc l'adhésion est volontaire nous avons au moins 1547 000 membres effectifs en ordre oui sur l'ensemble du territoire national mais les demandes au Tosanamo nous avons déjà au-delà de 2000 donc ce qui fait que plus ou moins. Donc, les membres effectifs, au Tosanamo, 1449 journalistes. En ordre, ça veut en dire c'est-à-dire au Bazali, dans membres d'Abisso, au Bazali, au Bapé, ça va cotisation. Voilà, au Bapé, ça va cotisation parce que l'Union, contrairement à ce que nous connaissons à l'époque du maréchal Mobutu, il existait des subventions pour l'Union. Donc, depuis la disparition du maréchal, l'Union n'a plus été subventionnée. Et Matata a osé, je crois, une ou deux fois, ça s'est arrêté en 2014. Donc, l'Union doit vivre des cotisations de ses membres. Donc, nous n'allons pas attendre l'aumône de la part de quiconque. Et pour parler de la cotisation à membres, et le niveau ça la Kanambo, qu'est-ce que vous avez, enfin, vous, Binobo Outi Kokoma, qu'est-ce que à ce jour l'UNPC peut se vanter d'avoir déjà réalisé? Oui, c'est vrai que bilan, j'assume, hein, parce que j'hérite d'une situation qui n'est pas la mienne. Donc, je ne suis pas acteur de ce qui s'est passé. Mais cela ne peut pas me dédouaner. Donc, les hommes sont passés, je suis là. Et là, on est bon, on est salaire. Tant que tu as un courrier, l'administratif, il faut foutre. Carburant, est secrétaire général, ou à ça, ta permanence. Hein, contrairement à la présidente qui n'a pas un traitement. Donc, le président a un salaire, donc on le battait que notre secrétaire général a un salaire, mais il est à Sengeli, à sa permanente. C'est une situation inédite qui va vous surprendre. C'est pour la toute première fois depuis l'existence de l'Union que vous avez un président reporter qui n'a jamais été patron des médias. Et ça étonne les gens. Quand on me voit, je porte un gilet multipoche, je fais des reportages comme tout le monde. Les gens sont surpris de voir que nous sommes ça. Mais pourquoi je le fais? Parce qu'à l'Union, il n'y a pas un salaire. Nous faisons l'apostolat. Et comme en faisant l'apostolat, chacun doit vivre de son travail. Donc je dois aller faire des reportages comme je l'ai toujours fait. Cela ne me dédouane pas. Ça ne me donne pas un titre officiel pour que je reste au bureau. Donc je dois aller sur le terrain. Et mon réunion, il y a un cartouche, il y a un papier, il y a un peinture, il y a un foot. La ka mai na courant na siège ya UNPC yango pe ba administratif ba futa makapo ba administratif tango ba ndako na bango donc du 1er au 30 bazar na pour musala cet argent là sert à toutes ces tâches mais c'est maudit que par rapport à notre besoin hein, quelle est la cotisation des journalistes
Donc c'est une question en pleine évaluation. 20 dollars par an. Mais c'est modique. Les médecins, les avocats, ils payent 250 dollars à 350 dollars par an juste pour le renouvellement de leur effectivité au niveau de leur corps. Mais nous, mais je ne pense pas que les avocats congolais, que les médecins congolais soient plus nantis que les journalistes congolais. Donc sortons un peu du ghetto. Sortons de cette précarité. Il faut envisager d'autres pistes pour rendre la profession plus ou moins viable. 081 770 70 n'a pas groupe WhatsApp au fungoli déjà nionso. Alors Kalate ministre Molobeli à gouvernement à Kokota ou à Namoni Batubazo Ningala Mouké. Merci beaucoup Monsieur Gabi Kouba, président intérimaire ou président faisant fonction de l'Union nationale de la presse du Congo, Ndenge Ondimi Koya Kolobanabiso. On vous verra peut-être après ou on prendra sûrement votre réaction après l'intervention du porte-parole du gouvernement en ce qui concerne le volet média. Merci beaucoup et à très bientôt. C'est moi qui vous remercie, Christian, Thierry, merci. Merci. Voilà, donc Thierry Kambou dit aux alliés, na esika molobelia gouvernement koloba meye na nous a lié na bandité le cas beaucoup mona d'ailleurs tozana na puisque nous sommes avec des membres de la presse. Thierry Kambou dit tu voudrais le GED et on va Touroyan Basiko GED, hein, Touroyan Basiko journaliste en danger, journaliste en danger. Monsieur Tivis Tivoadi Azana Bissa, hein. C'est vrai que c'est compliqué de parler sans le mettre. Yo, tu invité sur Zoom, moi c'est compliqué, hein. C'est compliqué, mais enfin Nazan la moite ici, ouais. Au moment où on sécurise le où on aseptise le micro du de l'invité. Alors je nazomo na bazoko tisabiloko, donc on dirait que c'était ça qui était pas prêt alors. Hein, Thierry, oui, c'était donc ça qui était pas prêt. Donc Bazakena nous prêtait échange des vœux et déjeuner débat 2021. Voilà. Donc bazoko bakoti pancarte monene, le ministre vient d'arriver. Je sais pas si on aura le temps. 5 minutes, 10 minutes. Ah, alors, le ministre est annoncé dans 10 minutes. Voilà, donc encore 10 minutes avec 10 minutes d'attente avant l'entrée du porte-parole du gouvernement, M. Jolino Makelele Diwam Povesa, qui va donc, à un moment important de la vie de la République, s'exprimer au nom du gouvernement, un gouvernement qui cohabite avec un informateur, l'informateur qui est Modeste Bahati-Lou Kebo, un gouvernement dont le président de la République semble attendre la démission du Premier ministre. Le président n'a pas parlé de la démission du Premier ministre, il a juste dit que après l'informateur, il y aura le formateur, qui n'est pas peut-être le même que l'informateur, mais le Premier ministre viendra directement après. Il a annoncé d'ailleurs ce qui ne s'est pas fait, que l'informateur devait organiser un point de presse pour expliquer un peu sa mission. Bon. Toyoka qui c'était peut-être aujourd'hui, ça devait être hier. Ouais. Il a annoncé ça hier. Président Lobaki Lobby. Et c'est là qu'ils ont la lobby, mais apparemment ça m'a guidé. Le président a eu peut-être une information avant de voyager. Mais je pense que Lélo, tout n'a Eurozoya, n'a ni informateur ou plus explication. Le président a l'objet pour identifier la majorité. N'a Simanango, peut-être y était le lobby, à Motomoko, à nommer formateur, Toloba. Il va nommer un formateur pour qu'il puisse. Voilà. Donc le ministre n'est pas encore là. Monsieur Tivis Tivoadi n'est plus là. Justement à Dani, Monsieur Tivis Tivoadi, le journaliste en danger est en train d'arriver. On va remettre toutes nos protections habituelles. J'ai pas dit que j'ai plus confiance en toi, mais le quoi tu me sens là-haut, hein. Atayo boy la moto. Vu des armements, mais ça n'intéresse. Mais aux hommes en danger, bah tu vas être négligent en l'emboca. Monsieur Tivis Tivoadi Bozo. Hey, papa Fanda Kaka. Fanda Kaka, tu es kangayoté. Tu es kangayoté. Benga sukolo bate. Non. Mais vous êtes déjà en direct, bah tu vas. Bah on a yango. Aux hommes qui sont déjà en direct, Monsieur Tivis Tivoadi, Thierry Kamundi. Monsieur Tivis Tivoadi, journaliste en danger. Oui. Mbote na yo. Mbote. Alors, merci Mingi. Ndengo aux alliés à to lobeli contexte. Naebi ke jede na suka ya mbula nyonso asala kama evaluation ya mbula par rapport ya exercice ya métier obiso tozaiko sala tokoko retenir ni na mosala ya bapandisango na 2020
Ben, quand on le bien gros, Bissot, en tant que jeune journaliste en danger, ça fait déjà plus de 22 ans tout aux alites qu'on existe. Moussa en abus sur les arts de surveiller ou avec un exercice de la liberté de la presse. C'est-à-dire que quand on a un journaliste, c'est pas ça Moussa en abango. Est-ce que pas ça Moussa en abango, on a un dingue et l'on gobani dans le cadre, dans le respect de la loi? Parce que Moussa est un journaliste ou avec la liberté de la presse. Et ça, c'est le mot côté que tu as inventé dans le cannabis. C'est quelque chose qui existe à travers le monde. Et même dans notre pays ici, nous avons des lois qui reconnaissent et qui garantissent cette liberté. Notamment la Constitution cannabis, où ils reconnaissent à tous les citoyens, et particulièrement les journalistes aussi, le droit d'avoir des idées, des opinions et de pouvoir les exprimer à travers les médias sans être inquiétés. Ça, c'est ce que la Constitution et la loi dit. Mais en réalité, qu'est-ce que nous constatons? Que chaque année, nous avons un rapport à Nabisso. C'est toujours comptabilisé par nombre de journalistes au Bazo Kanga, au Bazo Bouma, au Bazo Menacé, au Média, au Bazo Kanga. Et ils ont augmenté chaque année. Pour bon, go, yango dans le bas. Dans le rapport à Nabisso, où il y a tout ça là qui, le mois passé, tu présentais rapport annuel, et rapport sur l'état de la liberté de la presse. La presse ouais. On a comptabilisé au moins 116 cas d'attaques et de violations diverses à la liberté de la presse. C'est-à-dire, au Bakangi, au Bamedia, au Bakangi, en gros, au journaliste, au Bazan en prison, au Akoufi, au Bamedia, donc, nous sommes les 116 cas. Et ce que tu compares, en gros, à l'année passée, en 2019, tout ça, qui est en 85 cas, donc, augmentation de situation, et Jacques Obeba, année après année. Pourquoi? On a dit, mais je dis, c'est simplement pour nous, tout bien, la raison principale, ce qu'on appelle la question de l'impunité. Et quand nous avons présenté ce rapport-là, le 2 novembre, ils ont basé la journée mondiale de lutte contre l'impunité. Et ce n'est pas pour rien qu'on a choisi cette date. Parce que nous disons que le problème dont souffre, un des mots principaux dont souffre notre pays, n'a pas domaine et belé. Et particulièrement où il y a droit de l'homme, et la question est à impunité. Ça veut dire quoi, impunité? Ça veut dire, batou ou ba ebani. Soit un ministre, soit à ça, à la service de sécurité, soit à ça, officier supérieur et tout ça. Des gens qui sont reconnus et identifiables. Ce sont ceux-là qui s'attaquent aux médias, ce sont ceux-là qui arrêtent, qu'il faut arrêter des journalistes, mais qui ne sont jamais inquiétés. Justement parce qu'ils jouissent dans l'impunité du fait de leur position sociale. Deuxième chose, du fait que notre justice, en même temps, il faut le reconnaître, ça reste quand même une justice qui est au service des plus forts. Or, les journalistes, généralement, sont considérés comme le maillon faible de la société. C'est difficile lorsque un journaliste est poursuivi, lorsqu'il est traîné devant la justice par un ministre, par un député, ou tout ça. C'est difficile pour que le journaliste puisse avoir raison. Donc c'est cette culture de l'impunité, de l'obiango, qui favorise l'insécurité pour les journalistes et qui entretient l'insécurité, qui fait que, année après année, le changement est zoyaté. Nous avions salué, il faut quand même que je le dise, nous avions salué l'arrivée ou l'avènement du nouveau régime, du nouveau président de la République. Il y a un tout dans tout. Changement de régime et changer ma pratique. Il y a un lobby. Quand le nouveau président est arrivé, nous avons salué vraiment non seulement son avènement, c'est son discours. Parce que dans son discours d'investiture, déjà Malobana Liboso, il a montré quand même des ouvertures en faveur des médias. Dans son discours, où il a dit, il s'est engagé à dire, il va travailler, faire en sorte de promouvoir la presse et les médias pour que va jouer rôle Nabango avec un rôle de quatrième pouvoir. Ça, c'était un discours de rupture que nous avons salué, que nous n'avions pas entendu par le passé. Nous avons dit, voilà, il y a une nouvelle ère de la liberté de la presse et Kobanda. Nouvelle ère où est Kobanda Kozoate, arrestation, emprisonnement, assassinat des journalistes, nous avons salué ça. Mais en même temps, tout ça, il y a un Néwanate. Nous nous sommes réunis, nous nous sommes retrouvés avec les responsables des organisations des médias. Et on a fait ce qu'on appelle un cahier des charges et de propositions qu'on a remis justement au président de la République, vous vous souviendrez, en main propre, le 3 mai, je crois, 2018, pour lui dire, voici ma problème Tozanango, voici ma proposition de solution. Et le président s'est engagé, effectivement, à nous accompagner dans ce sens-là. Malheureusement, il faut dire que depuis lors, tout ce que nous avions fait comme proposition n'a pas trouvé un début de solution. Et c'est peut-être ça qui justifie que la situation continue à se détériorer. La proposition d'Abinouez Alinini pour situation est s'améliorer. Je prends simplement deux priorités tout en angle, parce que le problème est Zaïbélé. Il y a des problèmes économiques qui se posent au niveau de la presse. Il y a des problèmes de l'insécurité, de la violence que subissent les journalistes, etc. Mais comment Zaïbélé? Ma priorité, c'est ça qui m'y balait. Il y a Liboso, c'est la question de ce qu'on appelle la réforme
de la loi actuelle sur la liberté de la presse qui doit impliquer Otto Bengaka des pénalisations des délits de presse. Ça, c'est notre cheval de bataille. Et nous avons dit, on ne peut pas demander à la presse de jouer le rôle de quatrième pouvoir. Le quatrième pouvoir, ça veut dire chaîne de garde de la démocratie. Ça veut dire qu'il y a trois pouvoirs traditionnels, exécutif, législatif, judiciaire. Quatrième pouvoir, c'est un média qui doit jouer ce rôle de dénonciation. C'est-à-dire, un chien de garde, c'est-à-dire, c'est quoi mon danger. Il doit donner le signal, il doit donner l'alerte, il doit dénoncer cela. Or, aujourd'hui, dans le cadre de la loi Otuzanango, la loi sur la presse, le journaliste ne peut pas dénoncer. C'est-à-dire, le loi est au journaliste. Attends, ceux qui ont la preuve, et ceux qui s'appellent ça que non, ministre tel, PDG un tel, il a détourné de l'argent de l'État. Ce qui a commis en gros, ce qui a lobby en gros, ce qui est poursuivi par la justice, au niveau de la juge, est-ce que le journaliste a lobby, est-ce que ça a solo ou bien l'okuta? C'est ça tout le problème. Donc même le journaliste, ce qui a la preuve, juge à Koloukate a vérifié ce qui a lobby à solo ou bien l'okuta. Simplement, à Koloukate, non, le lobby en gros. Vous avez attenté à l'honneur, à la dignité, et à Moutouana et tout ça, le journaliste va canguiller. Mais ça, c'est grave pour une démocratie. Il y a aussi une dépénalisation. Dépénalisation, ça veut dire que, il y a loi, les Cambodges, les lobby, ce que le journaliste a pêché information. Ou bien une diffamation, il va canguiller, il va tirer en prison. Mais au monité que vous pêchez à journaliste, Nzela, ou l'oba n'importe quoi, non, pas du tout. Les loyaux, bon, vous avez protégé, vous sécuriser Bissot. Monsieur Labino, journaliste en danger, Zali, vous s'assurer que tout ça, Monsieur Malamo. Mais Monsieur Lopez n'a pas principe. Au pays Bissot, moi, parfois, tout bas fouaka. Tomi Bimisaka a pété, tout ça, politicien, n'a pas tombé sous ma bé. Qu'est-ce que vous faites pour que journaliste pe aye ba kaza na ba limite tant oiseau bimisa likambo tant oiseau dénoncer tant oiseau sala? Deux choses. La première chose, c'est que au niveau de autres effectivement des pénalisations ringi kolobate que toujours le cas régime il y a impunité pour les journalistes. Ça veut dire journaliste ta salimbeba ba sala le côté, non, ce n'est pas ça. Des pénalisations ringi koloba au lieu ba kanga dans une démocratie mutu ba ko kanga été battu na prison pour na maloba on a va opinion naie ba ko sanctionner na ba etungu mususu ba ko di ba mutus par exemple au salut par exemple imputation au foot ba dommage à intérêt pour na mutuana à se plaindre mais ko tcha mutu na prison on dit que non c'est disproportionné ça déjà ndenga ko faire taire quelqu'un et en démocratie on peut pas faire taire quelqu'un donc ça c'est le premier point que les gens doivent savoir et ngiko lobate que les personnes ba non au comment ou n'importe quoi ba inquiéter ou non parce que très souvent ba reprocher rabino ba structure à défense il y a ba droit na biso ba journaliste que journaliste a lobby par exemple que ministre aibi que député Boissali Mabé aibi ba pesa ki ebo emisolo etc. na six exemples là. Ce qui n'est qu'on a lésé à Fundi et que Bakangi journaliste, to bazo poursuivre la justice, koto Jed a gangi, koto RSF a gangi, koto ba structure union sur l'association de défense ba gangi, alors qu'au départ, journaliste est en train de vérifier à quelle information malamote et puis abimisi le kouta dans ma média. N'a pas sur exemple, toza nango, Nicolo, a toujours le bar journaliste, mon cousin en prison. Je crois que vous le savez. Oui. Il est poursuivi par un député. Pour Alobaki Makambo, que député Wana, Sengaki Bambong, Makam, tout ça. Le député. Appelle ça qui est bon. Député. Appelle ça qui est bon et tout ça. Le député a porté plainte. C'est son droit le plus absolu de porter plainte contre journaliste Wana pour avoir réparation. Mais je vous dis, le fait que Moutou a porté plainte, c'est son droit. Et l'indi Kolobate directement que Yazan a raison, que journaliste Wakuma Yazan a tort. Tant que je suis dans ma preuve, il y a ma cambo à l'obaki. Mais procès dans le bandit, dans le condamné journaliste, mais ça fait déjà plus d'un mois que je suis dans la prison. Pour quelle raison? Donc, principe pour la démocratie, voilà la présomption d'innocence. Mais ça doit être aussi valable pour le journaliste. C'est pas parce que Yose a député, tu te plains, donc directement, justice a fait sur raison. C'est comme si je condamné Moutou avant que tu m'aies au jugé. C'est ce qui est inacceptable. Ça fait plus d'un mois que quelqu'un, on lui a privé de sa liberté. Alors qu'il doit jouir de sa présomption d'innocence. Il n'a pas encore été condamné. Makamouana toujours de Bayangouana la justice. Une justice instrumentalisée, une justice qui est au service des gens qui ont le pouvoir, parce que lui c'est un député. Et si aujourd'hui, demain, tout ça, procès ça, l'ami. Et on arrive à prouver qu'effectivement, Joaïs Azaki a raison. Comment on va faire? Pendant un mois, deux mois au Bakangui.
C'est pas comme ça, ça se passe pas comme ça dans une démocratie. Dans une démocratie, tous les citoyens doivent jouir des mêmes droits. Et parmi les droits les plus fondamentaux de l'homme dans une démocratie, c'est ça. Le droit d'avoir des idées, des opinions, mais aussi d'avoir ce qu'on appelle la présomption d'innocence. Et pas la présomption de culpabilité. Limite. Il y a Moussa Nabisso, limite Namaloba Nabisso, et qu'on vous a la wap, Bisso. La limite est en langue claire. Je t'ai dit que Moussa, la journaliste, c'est parmi les rares métiers. Oyo, ils ont organisé, régi, Nava loi, Nava texte. Les limites sont dans la loi. Notamment, la loi sur la presse, où on dit, les journalistes ont le droit de dire sous réserve de. Sous réserve de quoi? L'ordre public, les droits d'autrui, tout ça. Donc, ma réserve est claire, ça s'ouvre dans la loi. Et que donc, un journaliste professionnel, il connaît ses limites, il doit pouvoir les respecter. Bah, limite, M. Jezawapi, limite, M. Jezawapi, tout le monde a code d'éthique et déontologie, n'a biso moko ba journaliste. Hein? Biso moko ba journaliste, tout le monde pèsi, ou ba benga ka code n'a biso, c'est-à-dire code d'honneur, code de bonne conduite. Le journaliste a le droit de faire ceci, mais il n'a pas le droit de faire ça, ça, ça. Un journaliste normal, professionnel, il connaît aussi ses limites. Il ne faut pas, effectivement, injurier, il ne faut pas inciter à la haine et à la violence, etc. Il ne faut pas donner de fausses informations. Ça, ce sont des limites qui se trouvent aussi dans notre code d'éthique et de déontologie. Et nous avons des structures au niveau de la profession qui sont chargées, justement, de faire respecter les limites qui sont dans notre code d'éthique et de déontologie. Monsieur Tivi, tu vas dire aussi qu'il y a la mingité, kasi mon salaire est bébé, bébé. Les loyaux, Motonion, Soazuka, Micro, avec Internet, journaliste, Afingi, Asalibo, Alobi, Apeseli, Naibite, Baterme, Komi, Ebele. Pour Nini Bossala, rappel fort, en même temps que Bozo condamné système en place, il y a qu'au vulgariser, il y a qu'au sensibiliser, il y a qu'au soumana nettoyage, paix. Il y a secteur parce que Bozo est comme Ou pire, Zala n'a complété. Parce qu'on ne peut pas non plus condamner la liberté des gens à l'expression. Les réseaux sociaux sont un canal d'expression. À former bah, Oyo, bah, Lingi, Landanzela, Wana. C'est vrai que l'école les allie, mais il y en a qui le font quand même. Il faudrait peut-être légiférer pour qu'un minimum de règles soient respectées par tous. Est-ce que Pe Nanzela Wana, en plus de ce qu'a dit Thierry Kambundi, j'aide aussi l'effort côté Konaté. J'aide Kakate, ça veut dire la Moussala où les Balkamba Liberté, après j'aide Azaï mon côté, l'organisation M. Chouizali. Et je vous dis que nous sommes organisés au niveau d'une structure, Moko, où Tubenga qui est dynamique du 27, qui regroupe pratiquement toutes les organisations professionnelles. Et là, au niveau de cette structure-là, nous faisons des efforts pour tout ça, là où Babenga Kanini, assainissement de la profession. Parce que nous sommes conscients du fait qu'effectivement, il y a tout celui où il y a parfois, comme on dit, n'importe qui vient un peu de la profession. Il faut assainir, il faut mettre de l'ordre. Parce que nous disons, si on veut qu'on nous respecte, nous devons d'abord nous respecter nous-mêmes. Voilà. Commençons par mettre de l'ordre dans notre boutique. Or, aujourd'hui, effectivement, comme je l'ai dit au début, il y a beaucoup de problèmes. Il y a des problèmes économiques et tout ça. Aujourd'hui, quand tu regardes au niveau de beaucoup d'entreprises de presse, il y a des gens qui travaillent depuis des années contrats. Exactement. Nous sommes sur Zakata salaire, hein. Mais un journaliste qui n'a pas de contrat de travail, qui n'a pas un salaire, mais il va se payer comment? Ça expose le journaliste à la manipulation, il va se payer sur la bête, comme tu dis. Ça veut dire que c'est ce qui fait que les journalistes sont exposés non seulement à la corruption, à la manipulation, parce que ce sont les personnes qui sont considérées comme étant les sources d'information, c'est eux qui tiennent les journalistes, qui les manipulent et tout ça, qui peuvent les corrompre pour que les journalistes disent plus n'importe quoi. Donc, la liberté de la presse, elle est intimement liée aux conditions de vie, aux conditions économiques et conditions sociales de vie du journaliste. On ne peut pas parler simplement de la liberté de la presse sans que regarder l'autre dimension qui est les conditions de vie du journaliste. Quelqu'un qui est pauvre, vous pouvez lui raconter ce que vous voulez, Makambo, éthique et déontologie, comme on dit, ventre affamé n'a pas d'oreille. Donc tout ça, c'est des choses, nous disons, c'est lié. C'est-à-dire défendre la liberté de la presse, du journaliste, c'est lié aussi aux conditions de vie, aux conditions sociales et de travail dans lesquelles il travaille. On dirait que Bissot Bozo trouvait les Bissot Rava circonstances atteignantes. À ta journaliste, c'est le Mabé Bobi, à Botikanzala, Bafoutakaete, et ça est leur côté. Alors que côté Kuna Sori Mabé, Salamimba, la mort, Botelemi, Bocondané, Bodénoncé. Non, ça veut dire ça dit toujours se défendre dans la raison. Mais je vous ai donné quand même un certain nombre de choses qui montrent qu'on n'est pas là pour. Nous sommes conscients du fait que Moussa, la journaliste, c'est un métier très sensible, c'est un métier qui est noble.
et qui est important dans une démocratie. Oui, mais justement, malgré Nzala, c'est ce que je voulais dire. Malgré Nzala, au moins, ce qui moi rigueur et Nzala qui n'a pas été Kamba Biso, Bakpandi Sango, Tolina est limité, moi, bah, dégâts. Mais quand on justifie tout par le fait que journaliste m'a foutu à ma, journaliste a foutu à ma ratéwa, journaliste a foutu à ma rabienté, il y a moins à exposer ma manipulation, c'est comme si. Non, on ne justifie pas. C'est-à-dire, n'a bêtise ou expliquer, hein, mais je ne justifie pas le mal. Je dis, je reconnais, il y a des problèmes et nous sommes en train de faire un travail d'assainissement. Je pense que d'ailleurs, parmi les actions prioritaires que nous aurons cette année ici, nous avions beaucoup espéré et nous pensons, comme le ministre nous a invités aujourd'hui, je pense que le premier point, la priorité parmi les actions de refondation de notre profession, c'est l'organisation qu'il a lui-même promis, les états généraux de la presse. J'espère bien, vraiment vivement, que cette année, nous aurons ces états généraux de la presse qui vont nous permettre effectivement de faire un état des lieux complet de la situation de la presse dans notre pays, de tous les défis qui se posent, et de proposer des voies de sortie pour qu'effectivement nous puissions avoir des médias qui soient viables économiquement, mais aussi professionnels, qui puissent effectivement jouer le rôle qu'on attend dans une société, celui, comme le président a dit, celui de quatrième pouvoir ou de contre-pouvoir dans une démocratie. Lobby 2019, il y avait une 80aine de cas de violation. En 2020, une centaine, au lobby 116. Ozo Zelanini de la part Yaba Konzi, pour que en 2021, la situation s'empire et cassé. Towana et Kita, c'est quoi Kita? Bah réforme, hein, bah réforme dans le bac, bah réforme Eza et Bélé, mais bah priorité n'a biso comme dans le bac, il faut d'abord sur le plan de la sécurité des journalistes. Nous avions proposé un mécanisme de sécurité des journalistes, ça veut dire sous forme de point focaux dans les différents services, police, ANR, peut-être même à la présidence, dans les ministères, la justice, où des gens sont dédiés à la question qui concerne la presse et la liberté de la presse. C'est-à-dire, s'il y a un problème qui concerne le journaliste, avant même de pouvoir s'attaquer au journaliste, nous pouvons activer le mécanisme interne pour pouvoir comment on peut régler ce problème au lieu de recourir à l'arrestation ou les emprisonnements des journalistes. Donc ce mécanisme de sécurité interne est important, c'est ce que nous avons proposé, sorte de point focaux un peu partout. Nous pouvons nous retrouver de temps en temps avec ce point focaux pour faire le point et s'il y a des problèmes, comment les régler. Deuxième problème que nous avons posé, comme j'ai dit, et ça, ça va faire en sorte de diminuer effectivement le nombre de cas des arrestations. Deuxième problème, c'est-à-dire aujourd'hui, si nous avons ne fût-ce que la dépénalisation de l'île de presse, ça veut dire nous n'aurons pas, nous aurons très peu de journalistes, nous n'aurons même pas de journalistes qui, pour une raison ou une autre, devaient pouvoir aller en prison. Troisième chose que j'ai dit, il faut mettre fin à la culture de l'impunité. Quelqu'un qui viole la liberté de la presse, parce que c'est une liberté qui est reconnue et garantie. Parce que tu es officier, parce que tu es agent de l'ANR et tout ça. Lorsque tu violes, tu dois être poursuivi et sanctionné. C'est ça qui va dissuader les autres personnes et ça va créer des conditions qui vont faire en sorte qu'il y aura de moins en moins de cas d'attaque et de violation contre la liberté de la presse. Merci beaucoup, M. Tivis Tivoadi. Je rappelle que vous êtes secrétaire général de Journalistes en danger, GED. Pour ça, la Rana, Reporters sans frontières. Hein. Bah, partenaire, Nabisou. Partenaire, Reporters sans frontières pour la défense des journalistes en République démocratique du Congo. Merci beaucoup, en tout cas, pour votre refondation. Yebarak et Zibeli Atop, Kongoza Kofungwama. Soyez le bienvenu et nous attendons avec grande impatience les grands changements dans la presse en République démocratique du Congo. C'est moi qui vous remercie de l'occasion que vous m'avez donnée de pouvoir échanger sur notre profession. Monique, Olinga ou le bâté, mais Koloba, il a eu à salir bien. Non seulement vous l'avez dit, Linga n'a pas Linga la tête. Olinga, moi bien. Bon, c'est vrai qu'on a moi, Maman Bakou, mais il y a qu'un Andakou, Nanakola qui s'est au problème. Merci beaucoup, Tivis Tivoadi, secrétaire général de GED, journaliste en danger. Alors, ministre dans la comité, Thierry Kamboudi. Dans la comité, A commis, mais dans la cotine à saleté. Ah, dans la cotine à saleté. Ah, bon, j'aurais voulu qu'on parle un peu avec, puisqu'on parlait des médias, on profitait un peu de la présence de tous ces journalistes pour parler un peu de la qualité des médias, la qualité des programmes avec le Conseil supérieur de l'audiovisuel. Madame Chantal Kanimbo est dans la salle, mais bon, maintenant, comme le ministre arrive, je crois que le ministre Tikali Mingite Poto Banda, avec une heure de retard, il faut le souligner, Thierry Kamboudi. Bon, ah, tiens, alcool, c'est-à-dire que. Ah, ils ont sauté, pardon, Bolim Sara.
Mais le masque, est ultra nécessaire. Attention, hein. Oui, Thierry, ouais, comme on dit. Avant que le ministre rentre, de plus en plus, j'entends dire, alors qu'on parlait de 7 morts aujourd'hui, les gens ne sont toujours pas mobilisés sur le corona. Yomutu laksanga, degebiso tozalaka. Mais quand on explique un phénomène. Bon, na ebite soki to loba ndenge nini, parce que to lobi na minoko nyonso, to lobi na koloba, to lobi na koyemba ke malade ezali, to mibatela. Je pense que bato mingi pe ba témoignage na bango eleki, ba député, ba citoyen lambda, ba pesi ba tatoli, to ba pesi ba explication sur malade oyo ndenge ezali pe ba dega ezali ko salama. Et les lotos allaient en pleine deuxième vague Namo Kilimo Bimba. La Monaco en Osaka boye, Angleterre, les lots France, les lots Bikuna, États-Unis, bref, Namo Kilimo Bimba, en Afrique, awa, mon PPO y a mis balai à maladie aux os à badega makasi. Mais constat, ils allaient dans la société. Hier encore, j'étais dans une commune très populaire de la ville. J'ai passé, je crois, une dizaine de minutes à l'extérieur. À observer, mais geste barrière et à respecter. Bato bazo tamo la bango sans masque, donc voilà. Na yebite na stade oyo, ce qu'il faut qu'on renforce ba sanction, ce qu'il faut qu'on renforce sensibilisation, ce qui message wana ezo ko buter na ba réalité na biso to na doute moko boye o eza semé na nini. Mais il faut faire quelque chose, il faut briser cette glace, il faut arriver à convaincre les gens, à leur faire voir que malades allaient coexister, parce que malades allaient coexister. Bah, monsieur Babézaga malade est riche parce que dans le quartier populaire, ici qu'à mesure barrière, ils ont respecté. On appelle ça l'okuta parce que et belé, ils en a le. Mutumoko et Bisinga, ils en a le pango à mon côté, à la cité. Mutazo belaté Mikolo, oh koyo kamuto, skakali au que de l'hôpital oté, mais oh azaro bela fièvre, oh azaro bela kusu kusu, oh monsieur satika assis côté kabiso pour azako suko pepe ma malade. Monter. De plus en plus, on en voit. Malheureusement, tous ne sont pas recensés parce que Bélé Bazo n'a pas qu'on connaît l'hôpital. Oui, parce que le problème, c'est aussi à ce niveau-là. Volume, il y a dépistage, ils allaient moquer par rapport à y a nombre, il y a bas Kinois, tout il y a bas Congolais, et puis, tous les coups, la maladie Nini, la maladie, tous les Bela Bela. Il y a beaucoup de choses à dire au sujet de la maladie Oyo, au sujet de l'étape de la commune de Angolelo. Il y a un d'ailleurs tout le baki et tout ça, l'agneau s'auto-matérialiser en gros que tout connaître, tout ça, l'émission spéciale. Bisoto Rolembate, tout ça, l'agneau qui dit Bosso, la sensibilisation, tout ça, Koba, la sensibilisation, instant Covid. Et sa rubrique il y a Liboso, rubrique majeure dans l'émission. Bref, tozo koba kolobela likambo oyo kasi toro yamba pe ba ndeko équipe ya riposte parce que les gens sont en droit de se poser des questions sur le non-respect de manière criante des gestes barrières, mais sur le nombre de cas vous avez annoncé, notamment dans le quartier Misusu. Qu'est-ce qui se passe exactement Botenayo, ndeko Israël Mutombo. Papa, yende sango. Papa fananan. Sango lati. Yende sango. Mais lelo lati. Oui, lelo lati nini te. Lelo lati robe te. Le ministre fait son entrée d'ailleurs. Le ministre, papa. Avant ministre à Kota. Bon, disons ça là. Tu retrouver Ndeko Israël parce que dans le contexte moi et tout cela, ils ont été mes plaisir de partager. Voilà, merci beaucoup. Merci beaucoup et félicitations pour la émission. Lobby dans Zagota là, en pleine émission, en plein moment, lundi matin, en plein moment dans Zagota face à face, dans mon yo bandi, au bandi qui déjà cala. Oui. Na YouTube. Oui. Félicitations pour la moussa là. Je ne parle pas du contenu, hein, mais je parle de la force de mobilisation pour contenu Limbisanga dans Zagota l'émission Moussousou. Moi là, l'endango ils allaient quitter, mais félicitations pour la macambo ça là. Il y a quand l'émission mon collègue Ali biso to koya te ponga lingala na lobango na moté. Et tika et comité tika malobana na ministre. Après l'émission, après la conférence de presse. Je n'a pas ici toko. Na rozonga ta pona. Mais lobana nous longola peut-être masque. Yo mon lango. Pour ba tout ba mona que ça bien yo. Sango.
Bosolo na politique. Voilà, merci beaucoup. Un petit mot? Non, Nana Sepini d'abord. Donc, Congo est à Ndako. Vous voyez que à chaque fois même quand je travaille à boire un bisou de temps en temps à l'obaka si à l'obela pour Congo ming pour les références au boni bas médias privés tous à la guide négligent à un moment donné plus ces allaient gaga presse nationale nationale mais les lois tous en force et à ceux qui m'ont communiqué au nom de la République à l'ingé atteindre la cible là et passe par on en gagne et sa force et ali combo et top Congo t'es mais ali le contenu le travail savoir et top Congo et ça lit que même l'autorité na moni on a présenté la République à plusieurs fois ça donne un président à comprendre que pour le message na les cas au delà bah RTMC s'est confié à top Congo ni on soit na séduire pour notre travail. Donc les a monsalonga na zolo la mingi y a encore moni bosolo na politique et zo kende presque na monsalo yozo salawana bien qu'avec des moyens de bord pour subsider des autres pour ça monsalongo na engagement kaka mongo kouai kosom balupa tout le monde se motive encore na service à la nation. En top Congo azali référence il faut batobala na top Congo denga balingi bosolo balinga pe top Congo na zomba mabe na moté puis na linga velo omora lobara ezake na 2023 biso tozaka na micro na caméra ayope si na za intéressé na moté il est parmi les rares à l'affirmer avec moi bien évidemment que Moussa le za ça na donc bolongolinga na kati wana bon yo to na tuna non ngobe bolongola nga pe zala moko au bima sango point non la mimi sango penzate problème nangai là qui a église au milieu du village parce que j'avais compris en 2016 tozaki na problème il y a 5 ans papa on va revenir maintenant c'est le président de la l'Union nationale pour la presse du Congo nous sommes en direct donc le vice-président aujourd'hui président en fonction monsieur Gabi Kouba qui est avec nous qui va donc s'exprimer maintenant je sais pas quel micro oui restez concentré sur le l'événement maintenant, ce n'est plus ici. L'événement, c'est la conférence de presse. Bonjour, monsieur le ministre. On écoute donc le discours du président intérimaire de l'Union nationale de la presse du Congo. Israël Moutombo est avec nous. Toko Beta, moi, Masolo, tout à l'heure. Akoye, Sabiso, Makambe Bele. Exactement. Mais en attendant, place au direct, c'est la conférence de presse, les échanges de vœux et le déjeuner de presse entre le ministre de la presse et des médias. De la communication et des médias et de la presse, avec pour commencer, si la technique le permet, parce que pas